C'est qui ta belle-sœur? Où est mon frère? Il vient de sortir. S'il vient dire que je suis passée. Mais c'est qui ta belle-sœur? Moi, je ne traite pas avec les stériles. Il faut aller traiter ton problème de santé avant de venir m'appeler grand belle-sœur. C'est arrivé là-bas. Moi, s'il y avait les petits-enfants à la maison, j'allais rester. Je vais rester avec ton frère, pas avec. Depuis que tu es mariée, là, où elle, tu es venue pour manger? C'est bien parce que tu as vu la maison que tu es venue. Pardon, il faut faire des enfants. En on a besoin des enfants. Donner. À big. C'est Dieu qui donne l'enfant. Tu es ici. Je pensais que tu es sorti pour aller au travail. Hein? Quel travail? Quel travail? Je viens de me réveiller, à quoi tu cries comme ça? Mais tu m'as vu aller à un travail? Je sors le matin, je sors, je vais au travail, je ne trouve pas. Je passe par ici, je ne trouve pas du travail. Mes diplômes sont là-bas. C'est pas une raison que tu restes à la maison. Il faut toujours forcer les choses. Tu vas rester ici, on va manger quoi? Ah bon? Si c'est comme ça, toi aussi, va forcer les choses. Tu crois que c'est facile? Regardez-moi ça. Tu crois que c'est facile? Toi aussi, va forcer les choses. S'il te plaît. On nous a demandé d'aller à l'école. J'ai eu mes diplômes. Il y a ça là, dans la chambre là-bas. Je sais que la pluie vient, ça frappe. La pluie vient, ça frappe. Je sèche au soleil. Tu veux que je fasse quoi encore? Je te dis, faut continuer à chercher. En tout cas, moi, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Depuis là, je dors seulement. Mais tu me dis ça pourquoi? Je suis médecin. Tu ne comprends pas. Comment tu vas me dire que tu n'es pas médecin? Toi, tu ne vois pas comment je suis. Hein? Je suis enceinte. J'espère que... C'est là, je suis enceinte. Crois-moi ça. Mais tu es malade. Hein? Tu es malade. Pardon. En fait, si tu n'as pas pitié de moi, tu n'as pas pitié de toi-même. Regarde là où on vit. Tu nous vois ici avec un enfant, tu es malade. S'il te plaît, non. Mais on cherche la lionne de troupe, on doit avoir au moins un enfant aussi. Peut-être que lui peut venir nous sortir dans notre souffrance. Moi, je vais avoir l'enfant. Je vais avoir l'enfant. Alors, dans ce cas, toi et moi, on peut pas vivre ensemble. Quoi? Tu es malade. S'il te plaît. On se lève le matin, on ne trouve même pas à manger. S'il te plaît. Et toi, tu viens me dire que tu es enceinte? Mais c'est toi qui m'as enceinte. S'il te plaît. Pardon. C'est la vérité, oh. On doit avoir cet enfant. Donc si on doit automatiquement avoir cet enfant, tu dois avoir l'enfant la seule. Oh, pardon. Quel pardon? Quel pardon? On se lève le matin, on n'a rien pour manger. Tu veux que l'enfant vienne dans cette condition? Tu es malade. Mais on est là depuis des années. Tu te couches bêtement dans le lit comme une bête. Tu viens me dire que tu es enceinte. C'est à qui tu dis ça? C'est la vérité, non. Je vais faire comment? L'enfant vient naturellement, ce n'est pas moi qui ai accouché. Oh. C'est venu. Hey,
tu dois enlever l'enfant là. Comment ça? Tu dois avorter. Non, jamais. Hey, je ne peux pas le faire, chérie. Je ne peux pas enlever une vie. Je ne peux pas. Moi, je dois accoucher cet enfant. Attends, elle est normale? Je ne sais pas. Comment peut-elle te traiter de stérile? C'est elle qui est docteur? Attends, moi je ne comprends pas. Elle n'a qu'à se mêler de ces histoires. Elle, parce que je ne connais pas ces histoires, combien d'hommes elle nous a présenté qu'elle va épouser? Aucun mariage. Et elle ose venir te traiter de stérile. Ça veut dire quoi? Ok, elle va me voir dans cette maison. Si c'est ça désormais, qu'elle ne mette plus pied ici. C'est quoi? Tu viens traiter quelqu'un de stérile? C'est toi le docteur? Ne sois pas triste, ok? Ne t'inquiète pas, on va gérer. Mais c'est bizarre. C'est à l'heure. Hier, mais tu n'as pas dormi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'inquiètes, je suis soucieuse. Je ne veux pas te voir dans cet état. Hein? S'il te plaît, faut manger. Ton plat est là-bas depuis hier. Là. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es bête. Tu es bête. Ce que j'essaie de te répéter, c'est que si tu ne sais pas que, si tu n'as pas pitié de moi, tu ne peux pas avoir pitié de toi-même. Tu ne peux pas avoir pitié de toi. Regarde-nous, regarde là où on vit. Ça n'a pas changé quelque chose à notre amour. Je sais que tu n'as pas eu dessus. Où est le problème là-bas? Maintenant, tu connais le propriétaire de la maison. S'il vient nous voir ici avec un enfant, tu sais que je suis un gardien, non? Je garde la maison, cette maison inachevée. Tu le sais, non? Tu le sais, non? J'ai mes diplômes dans la chambre, mais je suis obligé de garder les maisons inachevées. Et toi, tu es incapable d'avoir pitié de moi. Écoute-moi attentivement. Je t'aime, là. Écoute attentivement. Ou soit tu enlèves ça, ou soit tu dégages d'ici. Oh, pardon. Je ne peux pas te laisser. Pardon. Je vais aller où toi-même, tu sais que je suis orpheline. Où je vais aller? Non. Je ne sais pas où aller, tu sais. Écoute-moi attentivement. Tu parles trop, hein? Écoute-moi attentivement. Je répète encore. Si tu ne veux pas enlever, si tu ne veux pas divorcer, avorter, tu quittes carrément chez moi. Tu as compris, non? Mes parents m'ont dit de ne jamais tuer. Je ne peux pas. Je ne peux pas, chérie, s'il te plaît. C'est comme tout ce que je dis là. Tu ne comprends pas. Hey! Je viens là, sors de chez moi. Non. Pardon, pardon, je n'ai pas où aller, s'il te plaît, c'est pas seul, je... Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, je t'en prie. Tu sais, je t'aime beaucoup. Je ferai tout pour toi, mais je ne peux pas avorter. Là, si tu ne peux pas avorter, sors de chez moi. Tu as compris? Oh là. C'est quoi ton souci, maman? Oh mon amour. Sors d'ici. Non, je n'ai pas où aller. Mais quitte ma maison, c'est quoi ton problème? Tu ne veux pas avorter, non? Dégage! Dégage! Moi, je n'ai pas où aller, tue-moi! Je n'ai pas où aller!
Docteur, bon allé. Merci. Bon allé. Merci. Madame, ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Oui, ça va. Alhamdulillah. Dieu merci. Bonjour, docteur. Bonjour. Bon, excusez-moi pour le retard. Oh non, pas de retard. Parce que j'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Alhamdulillah. Dieu merci. Bon, on va vite aller. Et selon les analyses, okay. Excusez-moi pour le dérangement, c'est que selon les analyses, ouais. Ah, c'est un peu difficile. Mais vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Quoi? Selon notre labo, selon les recherches, c'est difficile de concevoir. Donc, courage. Dommage, sinon on a eu beaucoup de cas comme ça. Mais au fil du temps, on a essayé de traiter, d'encore faire les recherches et autres. Et finalement, ça a donné beaucoup de choses. Donc, du coup, courage à vous. Nous aussi, on va continuer à faire les recherches. Madame, c'est la vie. Ne vous inquiétez pas. Et ce que je peux dire encore, priez beaucoup. Dieu est là pour nous tous. Ça peut aller. Docteur, j'aime moi. Courage, ça fait mal. Hein. Je dois vous laisser, madame. J'ai des patients. Ok, bonne journée à vous. Avec les stériles, il fallait traiter ton problème de santé avant de venir après les grands hôtels. C'est arrivé là-bas. Moi aussi, avec les petits enfants à la maison, j'allais rester. Hey, écoute-moi attentivement, je ne veux plus te revoir ici. Je sais que cette maison, cette chambre n'a pas de porte, mais tu n'as pas le droit de la franchir. Tu as compris, non? Vous êtes en Allemagne. Vous êtes au Togo ou un peu partout dans le monde? Vous voulez avoir la maison de votre rêve avec un décor magnifique à base de la pose d'un parquet? Plus de soucis! NAF Parquet, en collaboration avec Zach Consulting Salle, sont là pour vous. NAF Parquet est une entreprise spécialisée dans le domaine de pose des parquets. Chez NAF Parquet, vous aurez accès à divers types de parquets avec multiples décors dans différentes zones de votre maison. Terrasse, salon, escalier, chambre à coucher et même autour de votre piscine. Alors, pour une maison belle, présentable et luxueuse, contactez NAF Parquet. NAF Parquet
est basée en Allemagne avec pour annexe au Togo. Vous voulez contacter NAF Parquet? C'est simple. Allemagne. Plus 49 516 108 33 104 114 au Togo. Plus 228 91 92 24 25. Vous voulez changer de style après la pose des carreaux? NAF Parquet est là pour vous. Avec NAF Parquet, vous aurez des parquets en bois naturel et des vinyles en PVC. NAF Parquet, ils ont construit une salle. La collaboration des géants. Vous êtes à Lomé et vous cherchez un lieu calme pour votre séjour. Une merveilleuse villa bien meublée est là pour vous. Dans cette villa, vous aurez accès à tout. La terrasse, le salon, la salle à manger, les cuisines, les chambres à coucher, le jardin, la salle de gym et sans oublier la piscine. Elle est située à Didogomain, à Mandaoumé, non loin du carrefour I7. Pour plus de détails, contactez plus 228 90 24 94 89 90 106 37 27 91 92 54 36 110 19 30 30. Vous pouvez aussi contacter Zach Consulting sur le 91 92 24 25.